Alors, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait grand plaisir de pouvoir esquisser assez rapidement, à grands traits, l'histoire de ce personnage tout à fait particulier. Pour certains d'entre vous, ça va être une découverte. Pour les plus âgés, ça va être peut-être une redécouverte. Je vais essayer, évidemment, de ne pas prétendre couvrir l'ensemble de sa vie dans le temps qui m'est imparti mais euh, un certain nombre de, de faits d'événements majeurs dont certains viennent de vous en parler euh, mes prédécesseurs euh, au micro. Euh, et puis aussi j'ai essayé de trouver aussi un, vous présenter quelques anecdotes pour euh, euh, vous familiariser un petit peu avec, euh, avec sa personnalité, avec son style, avec ses, 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 ses qualités mais aussi avec ses défauts pour que vous ayez un portrait le plus, le plus judicieux euh, et à jour, euh, si possible. Donc, on va commencer tout de suite par, euh, par sa famille. C'est une famille de, de gens de, on dirait, de l'armée aujourd'hui. C'est des militaires, donc la noblesse d'épée. Euh, son grand-père, faut en parler un peu. C'est Antoine de Buade. Vous avez un peu sa, sa photo. Euh, C'est des gens donc du sud-ouest de la France. Donc, et le grand-père, bien, c'est euh, l'aide de le, camp, rien de moins que Henri IV. Et, et par la suite, euh, Henri IV lui donne un poste important, celui d'être gouverneur du palais royal de, de Saint-Germain-en-Laye. Le fils va hériter, évidemment, de cette fonction-là. Le fils, c'est Henri, Henri de Buade, qui, euh, lui, est baron de Paluau. Baron de Palieu parce que euh, on a acheté ce fief-là en 1606, quand le jeune Henri de Buade avait 10 ans. Henri est aussi un militaire du régiment de Navarre. Navarre, c'est donc toujours dans le sud-ouest de, de la France, près des Pyrénées. Et euh, il fait partie, lui de, aussi, du, du roi qui a succédé, de Louis XIII. Du côté maternel, c'est également une famille de pouvoir. Elle, la mère s'appelle Anne euh, Philippot de Pontchartrain et euh, c'est la fille, euh, rien de moins, du secrétaire d'État aux Affaires étrangères euh, du roi et puis qui est membre du conseil euh, privé, conseil du, du roi. Donc, quelqu'un qui est un pro, très proche collaborateur du roi. Alors, vous voyez qu'il est d'une famille euh, bien, bien placée. C'est le moins qu'on peut se dire. Il naît euh, le jeudi 12 mai 1622 au Palais. Que son père, dont son père est gouverneur. Euh, il est le quatrième enfant du, du couple, le, le précède, trois filles, Marie, Anne et Geneviève de Buade. Alors, il naît, il est en santé, ça va bien, sauf qu'un mois plus tard, c'est son père. Son père euh, meurt le 20 juin 1622, lors d'une bataille euh, à, avec le roi. Euh, dans le cadre des guerres de religion, le roi est obligé de reprendre possession d'un certain nombre de villes contestataires protestantes à, à Saint-Antonin. Mais euh, en vertu des, des, de son testament, son cœur son euh, est placé dans un coffret de plomb et puis enterré dans l'église de Palouot, l'église de la Seigneurie, parce qu'il euh, est, il est baron de Paluau. Louis XIII a tresté et veut signifier à la famille son appréciation, ce qui fait que il fait passer la, la, la baronnerie de Paluau au rang beaucoup plus élevé celui de comte. Alors c'est pour ça que notre notre notre, notre Frontenac et eh il est à la fois comte de Frontenac mais aussi comte et de Paluau. Le baptême est, a lieu beaucoup plus tard parce que le roi est, est en, en, en campagne et puis revient. C'est donc 14 mois plus tard qu'on procède au baptême de l'enfant, 30 juillet 1623. Le parrain, euh, ben, c'est le roi lui-même. Et vous voyez sur cette photo-là, c'est l'allure, parce que l'allure du roi au moment du baptême, 1622-23, euh, c'est. C'est la figure de ce roi-là qu'on voit souvent dans d'autres occasions, dans beaucoup plus vieux. Mais ici, c'est à l'époque du baptême. Euh, et puis, bien, sa marraine, il est assez, assez heureux avec la marraine qui est rien de moins que la demi-sœur du roi et qui est l'épouse du gouverneur de Normandie. Vous voyez que, euh, on, on, a, on a des relations. Alors, on l'a mentionné, monsieur le consul général tout à l'heure mentionné, il avait été formé chez les Jésuites euh, à 10 ans. Mais là, deuxième, deuxième étape d'orphelinat, de, de, il perd sa mère en 1632. À 17 ans, là, il entre à l'armée et puis il participe à plusieurs campagnes euh, dans le cadre de la guerre de 30 ans. À 21, ans, à 21 ans, il devient. Déjà, vous voyez qu'il y a du talent parce qu'à 21 ans, il est colonel de son, du régiment. Trois ans plus tard, lors de, 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 du siège d'une ville en Italie, en Toscane, eh bien là, il est blessé. Il est blessé au bras droit il va en garder des séquelles permanentes. Mais c'est cette année-là quand même où il. Il, il, il est promu, ce pas ce qu'on appellerait aujourd'hui le général de brigade. Donc, vous voyez, il soit seulement 24 ans. Alors, on voit, disons, qu'on reconnaît sa valeur et, et, et sa, sa capacité à être un chef militaire. À 47 ans, on fait un bon, presque 24 20, 20 années. Euh, on le retrouve comme euh, mandataire, euh, comme commandant de l'expédition française pour essayer de, de faire obstacle aux Turcs, aux Ottomans, qui sont en train d'assiéger la ville en Crète, la capitale de la Crète, qui est à ce moment-là euh, sous domination des, des Vénitiens et de Venise. Malheureusement, euh, les, les Ottomans sont trop sont, sont trop forts. Mais euh, dans, dans ce contexte-là, quand il revient à, à Versailles et à Paris, eh bien, euh, euh, Frontenac euh, euh, reste très euh, très très bien coté sur le plan militaire. Alors, on va faire on va faire un, un pas en arrière, un pas de, On nous ramène à 1648. 1648, Bon, faut parler un peu de ses amours, hein. Et puis, ben, vous avez vu un peu la, la, ce qu'on qu imagine à être Frontenac, parce qu'on n'a pas, pas vraiment de, 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 de peinture qui ne représente Frontenac. Mais on peut imaginer qu'il est un il 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 bel homme, et puis il était aussi assez habile euh, auprès de ses dames. Donc, c'est un petit donjouan, à 26 ans. À 26 ans, ben, il, il décide de fréquenter euh, Anne. De la Grange Triano. Elle, elle a 16 ans seulement. Mais déjà, elle est. Euh, et vous, vous voyez sur cette, euh, cette toile, n'est-ce pas, comment elle était extrêmement belle. À l'époque, avec les canons de, de beauté de l'époque, elle était considérée comme une des plus belles femmes de France, sinon la plus belle. Alors, vous voyez que Frontenac avait du goût. Et puis, il, il savait plaire à quelqu'un qui, sans doute, était très courtisé. Eh bien, elle, elle, elle s'amoure beaucoup de Frontenac au point de, de vouloir se marier avec Frontenac. Mais là, le père, lui, il n'est pas d'accord du tout. Je ne sais pas pourquoi il n'aime pas Frontenac, mais en tout cas, il n'est pas d'accord, il ne veut pas. Peut-être qu'il trouve que Frontenac n'est peut-être pas assez riche à son goût. Et, et donc, il s'objecte carrément. Malgré tout, la petite Anne, de 16 ans, décide de dire, oui, je veux marier Frontenac et je veux passer ma vie. Donc, elle réussit, elle, elle s'établit. Elles vont se marier dans cette église-là qui est tout près de Notre-Dame de Paris, hein? Saint-Pierre aux Bœufs, et euh, secrètement, mais secrètement plus par rapport au père que par rapport à, à la famille du côté des deux buades, parce que ces euh, deux sœurs assistent au mariage avec aussi leur, leur maris, qui sont des nobles haut placés. Alors, quand le père apprend ça, là, il est vraiment très, très fâché. Il décide de déshériter sa fille, pas seulement pour son héritage à lui, mais même pour l'héritage que Anne attendait de sa mère. Alors, ce que fait, ça change, disons, le portrait euh, pour euh, la prospérité future euh, du jeune couple qui va euh, avoir des difficultés financières là, toute leur vie. Et trois ans plus tard, en 1651, eh bien, c'est la naissance euh, heureuse d'un fils qui va être un fils unique, donc euh, François-Louis. Alors, il est juin notre, notre Frontenac, et ce qui fait qu'après quelques années, euh, eh bien, il continue à séduire, et il séduit, et à de 40, 40, vers 45 ans, il séduit une autre très belle femme qui est la marquise de Montespan. Et elle aussi a grande qualité. Euh, Très belle, comme je disais, euh, mais de conversation, elle est capable d'être euh, piquante dans les conversations, les, sur les remarques sur les autres. Euh, elle est naturelle, enjouée, donc elle a énormément de qualité. Eh bien, elle, elle aussi, elle trouve que Frontenac, c'est un bel homme. Puis, euh, donc, ils ont une liaison ensemble. Mais, malheureusement, euh, la liaison, euh, quelqu'un intercepte un billet doux. Où notre notre Frontenac euh, et, et, et dit toute toute son amour pour la marquise, sa, sa fuite et comme euh, même s'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, disons que la nouvelle se répand assez rapidement dans la cour. Donc c'est le scandale comment se fait-il il est marié, elle est mariée. Oh, bah, bah. Mais ce qui est intéressant c'est l'autre partie c'est que la même dame, le roi là, lui il a 29 ans puis trouve que la Montespan, oh, que c'est une belle fille, et décide aussi d'avoir, de, de se l'approprier, de la courtiser. Et évidemment, les gens de, qui euh, veulent bien casser du sucre sur le dos du roi vont se servir de Frontenac. Et voici le poème que les chansonniers de Paris anti-royal disent. « Je suis ravi que, mon, que le roi notre sire aime la Montespan. Moi, Frontenac. » Je m'en crève de rire, sachant ce qui lui prend, et je dirais, sans être des plus bêtes, tu n'as que mes restes, toi, toi le roi, tu n'as que mes restes. » Alors, vous voyez, c'est très pas très gentil pour le roi, mais ça fait partie de la propagande ou les gens qui veulent bien se moquer du roi. Mais le couple Louis XIV et Bontespan a, et, et, a sept enfants, sept enfants d'ailleurs que le roi va reconnaître. Voilà donc pour une petite euh, incursion dans le monde amoureux. Euh, malgré les railleries que, dont, euh, dont Louis XIV est victime à cause de, de la Montespan, surtout de Frontenac, eh bien, il n'en tient pas rigueur quelques années plus tard et le Colbert juge que c'est un homme de, 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 approprié pour devenir gouverneur général et notre Frontenac a 50 ans à ce moment-là. Euh, L'acte est signé en avril 572. Euh, puis, ça fait beaucoup l'affaire, d'ailleurs, de Frontenac. Je vous ai dit qu'il y avait toujours des problèmes financiers. mais là, il y avait beaucoup de gens qui couraient après lui pour se faire rembourser. Et là, avec un mandat royal comme ça, eh bien, ça suspend complètement les, les, les paiements. Et donc, le fait de s'en venir, euh, que ce soit à l'armée en Europe ou ici, eh bien, les... les, les euh, les créanciers ne pouvaient plus réclamer leurs dettes. Donc ça, ça aide à quelqu'un. Euh, Anne, elle, refuse de venir en Nouvelle-France, elle reste à la cour, mais euh, euh, Frontenac donne son salaire, vous voyez, son salaire, 24 000 livres, c'est quelque chose de considérable quand on pense que le salaire moyen d'un ouvrier, c'était peut-être 100, 150 livres, mettons 200 euh, par année. Vous voyez que euh, le roi donnait des salaires assez, assez intéressants à son gouverneur général de la Nouvelle-France. Donc, elle reste là-bas, mais elle n'est pas indifférente à ce qui arrive à, à Frontenac. Au contraire, elle va être toujours celle qui va le défendre auprès de la Cour pour les gens, les méfiances langues qui vont critiquer ses décisions, etc. Puis elle va euh, être vraiment un soutien là, pour, euh, pour Frontenac, son mari qui est pourtant au loin. Euh, Frontenac vient ici euh, à, à, après... Euh, 71 jours de navigation entre la Rochelle et Québec. Mais il arrive ici, ici tristement parce qu'il a appris, euh, juste avant son départ, il a appris que son fils unique, son fils unique vient de mourir en Allemagne lors d'une opération militaire. Et donc, c'est pour ça qu'il fait chanter une messe ici euh, à, à, la, à la cathédrale là, de Québec à ce moment-là. Alors... Euh, quelle réaction Comment il réagit ce, ce, ce noble, n'est-ce pas, arrivé ici en Nouvelle-France il y a des, des commentaires qu'il fait à, à Colbert au mois novembre, donc quelques semaines après être, à arriver. Et là, il communique euh, rien n'a paru plus beau et si magnifique que la situation de la ville de Québec, qui ne pourrait pas être mieux postée quand elle devrait devenir un jour la capitale d'un grand empire. Et d'ailleurs, c'est ce que vous trouvez ici, tout près, là, en bas, à Place Royale, dans la fresque des Québécois. C'est justement cette citation-là qui, qui est rapportée. Il déplore, par exemple, que c'est un peu désordonné. Là, là, sur le plan de l'urbanisme, ça a besoin d'être réformé un peu. Et il dit toujours à Colbert ceci Dans des établissements comme ceux-ci, qui peuvent un jour devenir très considérables, on doit, je crois, songer non seulement à l'état du présent dans lequel on se trouve, mais à celui où les choses peuvent parvenir. Donc, comment on peut développer ça de, de manière que ça soit prestigieuse et intéressant? Une capitale d'un empire. Alors, vous voyez tout de suite, et ça, c'est quelques semaines après son arrivée. Ça démontre la vision que ce, cet homme-là a, qu'il ne s'en vient pas ici dans un bois et puis euh, euh, vaille que vaille, il va faire ce qu'il veut. Non, non, non. Il voit déjà qu'il y a des perspectives et il veut y contribuer. Talon quitte, parce que Talon, dans son deuxième mandat, a des problèmes de santé, il avait demandé d'être rappelé. Alors, il quitte quelques semaines après l'arrivée de Frontenac. Colbert ne le remplace pas. Et là, il y a un vacuum dans le pouvoir, parce que normalement, vous avez le gouverneur qui s'occupe de la diplomatie, de l'armée, hein, des guerres. Puis, vous avez l'intendant qui s'occupe de la police, de l'administration, des finances, etc., de la justice. Et là, notre, notre Frontenac lui arrive. Puis y a Personne d'autre. Alors, je lui dis Je vais faire, c'est moi, je, je vais faire les deux fonctions. Je vais cumuler les fonctions civiles et les fonctions militaires. Évidemment, ça augmente son pouvoir. Et c'est un homme de pouvoir. Euh, et donc, euh, il va ainsi, avec les deux, les deux chapeaux qu'il a, Essayer de contrôler au maximum le Conseil souverain, qui est qui est un tribunal, mais qui a aussi euh, a plusieurs décisions à, à prendre euh, dans, le, dans le domaine civil ou militaire euh, par, par la marge. Alors cette, ce, cette occasion-là de pouvoir qu'il a va lui créer beaucoup beaucoup de problèmes avec les membres du Conseil souverain, qui trouvent qu'il y en mène trop large, et, euh, et donc ça va lui amener beaucoup de tensions beaucoup de chicanes, euh, et je n'ai pas le temps, évidemment, de toutes les évoquer, là, mais il euh, faut que vous gardiez ça en tête, qu'il y, y, y a pendant trois ans un super pouvoir, et puis ça ne se passera pas toujours euh, dans l'harmonie. Alors, on a parlé tantôt que, de, que notre, notre Frontenac a de la vision, puis Talon aussi avait de la vision, et Talon et Frontenac euh, vont... Mandater Louis Joliette pour essayer d'aller beaucoup plus loin dans le centre du continent, pour essayer de trouver la mer, la mer qui mènerait, qui mènerait à la Chine et aux richesses de la Chine. Et c'est pour ça qu'à l'automne 1672, il, il mandate ce grand, ce grand explorateur Louis Joliette. Et par la suite, il va faire aussi quelques années après euh, la même chose pour aller du côté de la baie du Tion, mais par, non pas par la mer, mais par la, la voie terrestre. Encore là, j'aurais beaucoup à dire sur euh, leur relation. Euh, J'ai parlé tantôt qu'ils disaient hey, « les maisons ne sont, sont pas bien alignées, c'est tout croche, cette chose-là ». Alors, euh, il y a de la suite des idées, notre Frontenac, et c'est pour ça que le 28 mars, il, est, il signe un nouveau règlement, un règlement de police pour la Ville de Québec, 31 articles, on ne les passera pas tous, évidemment. Euh, mais trois exemples pour essayer de vous donner un peu l'allure. La, 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 le la premier, c'est justement l'urbanisme. Défendu dorénavant de bâtir des maisons avant d'avoir obtenu les alignements nécessaires. Bon. Les forges, les forges qui sont éparpillées dans les cours des, des maisons et dans lesquelles le feu peut prendre plus facilement. Alors là, là, là ils disent ça, 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 ça on, 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 on arrête ça. On va aller toutes les aligner, les regrouper dans l'axe qui, qui avait déjà été prévu par Talon, entre la basse ville et, et la haute ville. Puis aussi euh, les chiens. Le règlement contient un <laughs> aspect sur les chiens. Eh bien, les chiens doivent être rentrés dans les maisons là, à 9 heures le soir. Et puis pour, pourquoi Et je cite hein, afin de laisser aux habitants et surtout aux malades le temps propre au repos. Alors on veut, hein, on ne se couchait pas à minuit dans ce temps-là, on veut pas que les chiens hurlent, aboient, etc. À partir de 9h, ben, couvre-feu, euh, les chiens à l'intérieur des maisons. Alors vous voyez, c'est des règlements qui vont jusque dans le détail là, de la vie quotidienne des gens. Alors, Colbert, Colbert là, il y avait une vision de dire le développement de la Nouvelle-France, on va le faire là, à partir de la vallée du Saint-Laurent. Il faut qu'on on colonise, qu'on on, mette beaucoup de population, et quand ça sera assez, assez bien établi, là, on pourra aller plus loin en Amérique. Talon était, était pas tout à fait d'accord. Talon voulait explorer, mais Colbert a insisté pour dire non, 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 vous allez vous concentrer d'abord pour qu'on ait une base vraiment solide. Eh bien, notre frontenac a qui parlait d'Empire, hein, qui disait la capitale un jour de l'Empire, ben, il dit hey, on ne on, on se restreindra pas à la vallée du Saint-Laurent. Euh, pour la, 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 la fourrure, eh ben, on va s'établir plus loin. Alors, dès l'été, le premier été qui passe ici, là, à l'hiver, il prépare son coup. Et puis, euh, il décide d'aller fonder un fort, un fort sur le lac Ontario, au coin de l'embouchure de la rivière Cataracoui. Euh, et puis, euh, il prend les moyens de faire ça rapidement. Alors, il impose dès le printemps des corvées aux Montréalais, aux colons, pour dire, vous allez consacrer euh, tant de jours, et puis vous allez venir nous aider à, à, faire, à bâtir rapidement ce fort-là. Vous comprenez que pour les, les Montréalais qui sont, qui sont euh, ainsi... Euh, Obligés de quitter leur, leur, leur terre puis aller. Alors, il ne s'est pas fait des amis à Montréal, puis c'est sûrement surtout pas fait des amis des marchands de Montréal, qui eux disent Oh Jusqu'à maintenant, les fourrures arrivent jusqu'à Montréal. Les, les, les Indiens, les, les Autochtones les amènent à Montréal. Mais là, bien loin de Montréal, on va avoir un poste, donc euh, nos, nos affaires vont péricliter. Euh, et donc, euh, ça pose un problème. Il ne se fait pas des amis à Montréal. Un anecdote ici sur le style. Là, vous imaginez qu'il s'est en allé avec euh, énormément de gens pour fonder en plein bois, là, pour fonder euh, un fort. Mais il le fait avec panache, avec style, gardez ça. Eh bien, il avait envoyé des invitations, prévenir les, les, les différentes peuplades autochtones pour dire venez me rencontrer, là, je vais aller à Katarakou et l'embouchure, au cours de l'été, venez me rencontrer. Alors, quand il y reçoit, il en reçoit une soixantaine, eh bien, ce n'est pas juste bonjour, bonjour, non, 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 il les reçoit au roulement de tambour, à la du protocole. Et puis, euh, aussi, lors d'une cérémonie qui est illustrée par cette, 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 cette image, eh bien, euh, un témoin nous raconte, « On rangea toutes les troupes, parce qu'il s'en va fonder un fort, mais pas juste avec des, 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 des bûcherons, il amène, il amène la troupe. Hein? Alors, on rangea toutes les troupes en deux fils qui entouraient la tente de M. le comte de Frontenac et tenait, donc allait jusqu'aux aux, aux, aux cabanes des sauvages. On mit devant sa tente du gouverneur, comme vous voyez là, euh, de grandes voiles pour les asseoir et on les fit passer au travers des deux fils de soldats. Ils furent surpris de voir un tel appareil qui leur semblait nouveau. Ainsi que toutes les gardes avec leurs Kazakh qui étaient une, une chose qu'ils n'avaient point vue. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut que les Amérindiens voient qu'il euh, est un personnage important et il s'entoure et il traite ses invités euh, mais il veut les éblouir aussi oui, c'est une décision qu'il a prise sans même consulter euh, Colbert, là. Il a pris ça de par, sa, sa propre décision en disant « on va faire ça, ça », sachant très bien que Colbert n'était pas, était pas d'accord, ce n'était pas la politique de Colbert. Et là, il se justifie. Et sa justification, c'est de dire « écoutez, euh, en se rapprochant, en allant à oui, l'autre côté du lac Ontario, c'est là que se trouvent les Iroquois. Donc, ils vont apporter, on va, on va les inviter à apporter les fourrures. » à nous, les Français, plutôt que les envoyer à Albanie aux Anglais. Puis ensuite, il ben, euh, y aura une barque, là, et puis pour éviter que, que les Iroquois en profitent aussi pour attaquer les alliés français qui sont du côté nord, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ontario, là. Et euh, il réussit à convaincre, il réussit à convaincre euh, euh, Colbert au point qu'il euh, il, il convainc, mais ça prend une couple d'années, à ce que Colbert concède le lieu. Le concède à Cavalier de la Salle, en seigneurie. Donc, tout, le fort devient une propriété privée et puis, euh, euh, donc, il va pouvoir faire, euh, ça va lui rapporter des, des, des dividendes en fourrure énormes, une, une fortune qu'il va faire. Et ce, ce point-là, j'en parle parce que euh, vous voyez dans, comment ça, ça a germé très tôt dans le mandat de, de, de Frontenac et c'est vraiment le point d'appui de ce qui sera l'expansion de la Nouvelle-France avec les découvertes au fur et à mesure avec Cabellier de La Salle et les autres. Mais c'est comme ça que Frontenac agit et va amener la Nouvelle-France là jusqu'au Golfe du Mexique. Alors, je vous ai parlé un peu des tensions avec l'autre membre membres du Conseil, euh, du Conseil souverain. Eh ben. Ça s'en va évidemment à Versailles, là. les gens se plaignent, etc. Donc, ce qui fait que le 5 juin 1775, euh, Louis XIV signe un nouvel édit, puis là, il réorganise euh, la Nouvelle-France, la structure. D'abord, il nomme enfin un, un intendant qui va faire euh, contrepoids à Frontenac. Et puis, il réorganise euh, le conseil souverain. Euh, l'intendant, et on précise dedans, l'intendant, ça va être le troisième personnage alors, il euh, y a le gouverneur, il y a l'évêque et l'intendant. Mais l'intendant, c'est lui qui préside. C'est lui qui décide après avoir consulté les, les gens là, sur euh, les affaires judiciaires ou autres. C'est lui qui dit Bon, bon, je comprends le consensus, voici. Et c'est lui qui, qui, qui exprime les. Donc, le vrai puissant dans le Conseil souverain à partir de 1675, c'est pas le gouverneur. Hein, c'est l'intendant. Et, pour ajouter à autre chose, euh, c'est que pendant ces trois ans, euh, Frontenac avait menacé les conseillers hein, qui s'opposaient à lui en disant, écoutez, euh, peut-être que vous ne serez pas, je vous, vous renommerez pas à nouveau, là, vous, êtes, euh, vous êtes des mauvaises têtes. Là, Versailles dit non, 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 dorénavant, à partir de 1675, c'est nous à Versailles qui allons nommer qui va siéger comme conseiller. Alors, et donc, vous voyez que et la tube est là, Frontenac qui est un peu catastrophé. il s'en plaît à Colbert en disant « Voyons donc, vous me retirez des pouvoirs, des, des prérogatives que j'avais, puis ça allait bien. » Non, non, Versailles trouve que ça ne va pas bien. Et regardez la réponse de Colbert, il dit « Mon intention est que vous vous conteniez dans l'étendue du pouvoir que je vous donne. » Est-ce que ça s'est clair? Ça ne fait pas l'affaire de Frontenac, mais <laughs> Colbert dit « c'est ça, et ça va rester comme ça. Alors, autre élément, euh, notre Frontenac, euh, c'est un beau vivant. C'est quelqu'un que vous l'avez vu par les, euh, les Autochtones, eh bien, qui, euh, euh, qui, qui a du panache et puis qui veut éblouir. Alors, il le fait ici à Québec. Quand je regarde l'histoire de Frontenac et l'histoire de Churchill, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. Parce que, vous savez, Churchill a déjà dit, j'ai des goûts simples, vous savez, je me contente du meilleur. Alors, tant Frontenac que, que Churchill ont toujours tiré le diable par la queue parce qu'ils ont toujours eu des problèmes financiers. Mais ça, ça, ça vous indique le, 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 la mentalité de ce personnage haut en couleur qui était Frontenac. Alors, c'est un habitué, évidemment. Là, il, a, il a presque toujours vécu à, à, à la cour et le, face de la cour. Bien, il veut aussi que ici, à Québec, ça soit pas euh, quelque chose de, de, à la voix comme je te pousse. Alors, euh, au fil des ans, il, a, il, a, il augmente, euh, disons, la, le rayonnement de son personnel. Alors, euh, il se dote d'un corps de garde. Il y a des, le gouverneur a ses propres gardes là. Ensuite, euh, il y a deux ou trois secrétaires, il y a un médecin, qui, un, un, un aumônier qui s'ajoute, un médecin parce qu'il y a des problèmes de, de, de santé, plusieurs domestiques, évidemment, sans compter évidemment les gens qui au niveau de la cuisine, dont on entendra parler plus plus tard ce soir. Donc, euh, ils euh, il s'arrangent pour avoir du service. Et eh bien, euh, et puis. Tout ça, c'est pour, pour donner des banquets pour que les gens euh, l'apprécient. Et puis, les gens de Québec l'apprécient, euh, euh, y compris les chefs euh, autochtones. Il reçoit les chefs autochtones à sa table là, aussi. Il faut, faut garder ça dans sa, dans sa perspective, Donc, particulièrement des chefs euh, hurons qui sont tout prêts ici. Et chaque année, chaque année à l'arrivée des bateaux, au printemps, début de l'été, eh bien là, il en profite, il fait tirer le canon pour le consigne de réjouissance, et puis euh, aussi des feux d'artifice. Et il fait la même chose quand, il, quand le roi, on apprend que le roi a gagné telle bataille ou telle autre, et bien là, à nouveau, c'est des feux d'artifice, et puis tout le monde a toujours aimé les feux d'artifice. Même aujourd'hui, on aime ça. Alors, imaginez-vous qu'à l'époque, c'était encore plus merveilleux d'avoir des feux d'artifice ici à Québec. Alors, les querelles. Les querelles euh, n'ont pas arrêté en 1675, entre les membres du Conseil souverain, et puis eh, Frontenac. Je vous donne ici un exemple, un extrait d'une lettre de Louis XIV, qui là n'en peut plus. Alors, je, je cite, j'ai été surpris d'apprendre toutes les nouvelles difficultés et les nouvelles divisions qui sont survenues, d'autant plus que j'avais fait très clairement et fortement connaître et par mes instructions et par toutes les lettres que je vous ai écrites les années dernières, qu'il ne fallait pas faire ça. Hein? Mais <laughs> Frontenac l'a fait pareil. Et il ajoute ce qui me surprend encore davantage est que, que presque dans tous les démêlés que, que vous avez fait naître, il y a peu de raisons qui puissent autoriser ce que vous avez prétendu. On l'a dit, vous étiez dans votre tort, vous avez réclamé des choses, vous avez eu un point de vue qui n'était pas, pas le bon. Alors, ça vous donne une idée aussi du caractère. C'est une tête de cochon, ce, ce, ce Frontenac. Et puis, il y a. Il y a... Eh bien, malgré, malgré cet avertissement-là, en octobre 1680, eh bien, il y a de la misère à réformer sa personnalité, euh, Frontenac. Il va avoir l'audace même de ne pas suivre les instructions aussi clairement et de ne pas ran se ranger après les remontrances du roi. Alors, je vous en donne rapidement un exemple. À, 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 au même moment, euh, le roi avait demandé de, de dire, vous allez euh, sévir contre les contrebandiers de fourrure. Alors, euh, on a envoyé des, des enquêteurs, etc. Puis, euh, on a trouvé deux, deux trafiquants là, qui, qui avaient un, un dossier euh, assez élevé, notamment Perrault. L'île Perrault à Montréal, c'était un gouverneur de, de Montréal qui faisait énormément de, de commerce et pas toujours, il faisait aussi de la contrebande, selon les prétentions du Conseil euh, souverain. Et puis, euh, Josias Boisseau. Bon, alors, euh, le procès se passe euh, euh, sur plusieurs semaines et Frontenac euh, utilise euh, c est, c est, et essaie de faire toutes sortes d'obstructions à, à la procédure pour essayer de protéger euh, ses protégés, c'est le cas de le dire. Alors, il aide les accusés. Puis ça, bien, l'intendant, les autres membres du conseil, ils n'aiment pas ça. Ils trouvent qu'ils aident les, même les fraudeurs. Alors, en mars, un petit incident, en mars 1681, eh bien, Boisseau et un des gardes du gouverneur se promènent dans la rue. rencontrent le fils de l'intendant, 16 ans, et puis le valet de l'intendant, Vautier. Et là, bien, ils se rencontrent, puis évidemment, euh, la, 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 un va critiquer l'autre, et puis là, ils se sont en d'échanger des, des, des méchancetés. Alors, quand Frontenac euh, euh, apprend ça, vous allez les amener. Alors, il arrête, il <laughs> euh, fait arrêter les deux, et puis là, il fait entrer le jeune, et puis là, il exige des excuses, lui. Le fils de l'intendant, Lucie, est fier. Il refuse de donner des excuses. Alors là, euh, Frontenac entre dans une colère noire et puis euh, bat avec sa canne euh, le, le jeune et puis euh, le fait enfermer pendant un mois. Dans, ici, en dessous le, du château Saint-Louis, il, il y avait des cellules. Eh bien, il le fait enfermer. Mais le problème... C'est évidemment, vous imaginez l'intendant qui voit son fils et son valet enfermé par le gouverneur et la tempête que ça crée. Alors évidemment, ça ne reste pas, et, ça reste pas et, sans mention vers Versailles. D'autant plus, d'autant plus que deux ans avant, le roi avait signé un édit qui interdisait au, au gouverneur d'emprisonner qui que ce soit, sauf si c'était pour motif de sédition. Vous comprenez que l'insulte à, à, à quelqu'un qui est en procès comme Boisseau, euh, disons que ce n'est pas, pas un motif d'enfermer de, de, quelqu'un. Ben ça, ça s'en va, ça s'en va à Versailles. Et puis là, c'est la goutte qui fait des bols de ce qui fait que quelques mois après, eh bien, euh, là, on rappelle Frontenac de ses fonctions, on le destitue de ses fonctions. Mais on ne le fait pas seulement pour Frontenac, mais aussi… Pour Duchesneau, qui était un peu chicanier lui aussi, et puis qui avait des mâchoires pesantes là, dans ses relations avec Frontenac. On les enlève tous les deux. Donc, notre Frontenac s'en va, va, retourne en France. Il passe sa vie, sept ans, à la cour. Et puis, le roi lui a donné une, une retraite, là, de, une pension de 3500 livres. C'est quand même une bonne retraite, mais compte tenu du style de vie de Frontenac, disons que euh, c'est passé assez. Alors, Frontenac euh, fait souvent des démarches et essaie, et sa femme aussi, l'aide à ce qu'un jour, il puisse revenir en Nouvelle-France. Ça avait été payant, ça avait été euh, glorifiant aussi. Alors, euh, pourquoi le contexte euh, entre ce euh, garde, c'est que les deux successeurs de Frontenac font des gaffes. Euh, en 1784, c'est de Delabarre qui essaie de faire une opération contre les Iroquois, puis ça se retourne contre lui. Il est obligé de signer une, une, une paix, euh, mais qui est considérée tout à fait honteuse à Versailles. Trois ans plus tard, c'est Denonville qui lui aussi essaie d'arrêter les, les, les incursions des Iroquois. Et puis, en, en, pour donner une leçon, il décide d'en arrêter euh, au moins 60, d'en envoyer 60 Iroquois en galère pas les punir ici mais les envoyer en France pour les galères royales alors évidemment vous, vous savez que euh, c'était pas de tout repos euh, et c'est dans ce contexte qu'en mai 89 là l'Angleterre décide à nouveau de, de déclencher la guerre contre la France et c'est un contexte qui devient de plus en plus difficile tant vis-à-vis des -vis Iroquois vis-à-vis -vis le, le, le commerce alors c'est dans ce contexte là que euh, le fils de Colbert, que vous voyez sur cette, euh, cette illustration, et eh bien, et le roi décident de, ben le vieux, le, le vieux Frontenac, ça se renomme la situation encore. Imaginez-vous, Frontenac a 67 ans. Replacez-vous dans le contexte de l'époque, là, c'est comme un, un super vieillard, mais on fait appel à ce super vieillard parce qu'on pense qu'il a des qualités intéressantes. Alors, euh, notamment sur le plan militaire et aussi comment il pourrait arrondir les coins avec les Iroquois. Donc, euh, notre frontenac notre, notre, notre fait ses valises, hein, fait ses mal. Bien, pendant qu'il fait ses mal, il se passe quelque chose, c'est que les Anglais communiquent tout de suite, avant les Français, l'annonce que l'Angleterre est en guerre. Et là, les, les, et incitent les Iroquois à rentrer dans le corps des, des Français, des colonies, de la colonie française, et les Iroquois ne se font pas prier. Ce qui fait que le 5 août euh, 1689… Eh bien, là, ils il débarquent euh, plein d'armes et de tomahawks. Euh, ils, ils font une grosse razzia. Ils brûlent, ils brûlent la, la Chine. Et puis, 80 habitants sont, sont massacrés. 90 autres, amenés prisonniers. Et les autres, ils vont souffrir. Ça va être, ça va être assez, assez grave, merci. Et euh, je vous donne un, un exemple l'historien Hitlès, qui est un, un bon spécialiste sur, sur Frontenac. Rapporte qu'en en fin d'après-midi, les Iroquois se sont retirés de l'autre côté du lac, Saint-François, qui est la région de la Prairie. Et puis là, bien, ils ont fait souffrir pas mal de monde, dont cinq enfants. Ils ont tué, ils ont routi puis ils ont mangé. Alors, faut jamais oublier que les mœurs étaient assez euh, assez drastiques. Puis quelques jours plus tard, ils sont donc contents d'avoir fait ce coup de poing-là. Ils font la même chose à Lachenay. Là, c'est la panique, là, parce que là, les gens d'ici vallée du saint la guerre, ça vient ici. Là, et donc, les gens disent, Ouh, ça va très, très mal. Heureusement que notre Frontenac arrive. Eh bien, ceux qui avaient critiqué Frontenac sept ans avant, puis qui étaient bien contents de le voir partir sept ans avant, là, ils sont tous unanimes pour l'acclamer. Alors, il arrive, euh, il débarque à Québec euh, euh, au début de la nuit, euh, sous les flambeaux, et puis on fait tirer du canon, en son honneur, euh, tous l'acclament. Euh, euh, on met les hommes en armes pour lui faire une, une escorte, etc. Donc, il, il fait l'unanimité. Hein? Et, et puis, mais il est habile, notre, notre, notre frontenac. Les Iroquois, là, qui avaient, qui avaient été envoyés aux galères, mais ben lui, il ramène tous les survivants, il en ramène 13, en se disant, ben, ça va me permettre de renouer des contacts favorables pour mes négociations avec les Iroquois. Alors, il n'oublie rien, notre, notre, notre frontenac. Eh bien, euh, il, il veut s'amadouer les, les Iroquois, mais là, il se dit, il faut venger ça, là. On ne peut pas permettre, là, que. Et pour se venger, il, il, il prend pendant l'hiver, il prépare... Et là, il, il prépare la revanche. Mais plutôt se revenger contre les Iroquois, parce qu'il sait que il dit, non, notre stratégie, ça va être d'aller porter la guerre et faire vivre aux Anglais ce qu'ils nous, qu nous font vivre par l'intermédiaire des Iroquois. Alors, il fait, comme vous voyez sur la carte, là, trois les, les lignes bleues. Là. La, la première ligne bleue ici là, c'est de Montréal jusqu'à Albany. La deuxième, ça part de Trois-Rivières, puis ça s'en va dans la région du Maine, hein, la région de Nouvelle-Plage, là, Old Orchard et autres là. Et puis la, la, la troisième, qui part de Québec et qui s'en va jusqu'à Portland, la ville de Portland, là, où on, on passe souvent. Alors, vous voyez qu'on est dans la zone plus rouge, là, n'est-ce pas Ben, c'est là que deux des, 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 des expéditions punitives se rendent. Et puis euh, l'expédition punitive à partir de Montréal, elle, elle devait s'en aller vers Albanie. Mais euh, on apprend qu'Albanie a, a, a eu vent qu'il serait attaqué et que donc il s'était préparé. C'est pour ça qu'on s'en va vers l'autre ville, euh, Corleur, pour 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 faire, disons la. Euh, l'opération de punition. C'est très sanglant, très sanglant. 300 morts, euh, à peu près, 100 prisonniers au moins. Les villages et les forts sont brûlés. Euh, mais ça fait tout un choc aussi du côté des euh, colonies anglaises qui, eux, décident de se regrouper pour dire, « Allez-là, on va se venger puis on va éliminer la Nouvelle-France. » Alors, ils, ils, font, ils, ils organisent une... une, une une attaque est par terre et par mer. La première, c'est la ligne, ligne d'ici, qui part d'Albany pour aller vers Montréal. Mais euh, ils ont des problèmes euh, de logistique et puis euh, ils sont obligés de faire demi-tour, sauf avec un, un, seul, un seul groupe plus petit qui, lui, va se rendre jusqu'à la prairie, va faire du gros lavage, ils vont tuer 50 personnes à la prairie. Euh, donc, euh, c'est euh, œil pour œil, dent pour dent. Hein? Alors, euh, mais, euh, pendant l'été, euh, Frontenac euh, converse avec, avec les Amérindiens à Montréal. C'est la grande foire des fourrures à Montréal. Les Amérindiens amènent, voyez-vous, euh, au moins des euh, gens de l'Ouest en particulier, là, pour une valeur de 300 000 livres de fourrures. Et euh, il y a des, des discussions avec les Hurons, qui sont dans l'Ontario, et les Nimbissing, qui, qui, eux, disent à Frontenac, là, ça n'a aucun sens. Tu, tu as fait trois opérations, puis tu as épargné les Iroquois qui étaient là. Les Iroquois, nous, nous attaquent. Alors, il faut, faut que tu combattes autant les Iroquois que, que les Anglais. Ben là, Frontenac dit euh, Oui, vous avez raison. Euh, là, il y a peut-être temps que on, je, vais, je vais combattre aussi les Iroquois, euh, jusqu'à ce qu'ils demandent la paix. Et vous voyez cette image-là vous avez peut-être vu déjà sur Internet. Hein? Elle est très intéressante. Elle évoque bien ce qui se passe à Montréal à l'été 1690, mais, mais une petite erreur. Quelle erreur? Petite erreur? Eh bien, c'est le tomahawk dans sa main droite. C'est impossible parce que son bras, son bras droit a été blessé, puis il ne peut pas faire ça. Il a fallu que le peintre sache ça et puis fasse, utilise l'automahawk dans sa main gauche et non pas. Alors, c'est des, euh, des, des petites particularités qu'on peut noter des fois, même si on évoque euh, alors, un petit détail comme ça. Alors, les Anglais, je dis, ils veulent se venger par terre, mais aussi par mer. Alors, vous voyez sur la ligne rouge ici, là, de Boston, on décide de faire, de ramasser plusieurs navires et puis d'aller d'abord attaquer Port-Royal, l'Acadie. Puis après ça, s'en venir vers Québec pour prendre le, le contrôle et détruire et prendre le, le contrôle et éliminer éventuellement la Nouvelle-France. C'est un, un gros mandat, mais ils sont décidés. Ils sont décidés parce que, regardez-vous, l'armada de FIPS, c'est 34 navires. 34 navires devant Québec, là, ça, ça occupe le fleuve. Hein? Euh, 2300 hommes, c'est presque autant que la ville. Euh, c'est considérable comme force. De... Eh bien, là, les gens de Québec, là, ils ont peur. Ils ont peur, puis ils prient. Ils prient Notre-Dame en disant, « Ça nous prend un miracle parce que là, on est très, ça, ça va très, très, très mal. Euh, » Frontenac, qui, à ce moment-là, est à Montréal, revient précipitamment. Euh, euh, avait ordonné aussi l'érection d'une palissade là, pour protéger tout le front le ouest de la ville. Et euh, c'est d'ailleurs une, une de ces, ces choses-là qui ont été retrouvées là, il y a quelques années, là, une, une partie de la palissade là, euh, très, très ancienne de 1693. Mais en 1690, Frontenac est le premier à ériger ce qu'on appelle les, les murs de Québec, puis il le fait à partir de du chemin Saint-Louis Saint jusqu'à la rivière Saint-Charles, hein? euh, jusque dans Saint-Roch. Alors, euh, mais. On se prépare, mais on, on, les forces en, en face sont, sont considérables aussi. Donc, euh, là, Phipps dit, bon, on va régler ça. On est tellement fort qu'ils vont s'incliner. Alors, il rédige euh, une sommation, un ultimatum, et puis il envoie euh, le major Savage dire, bon, on ben, va porter ça. On leur donne une heure, et puis euh, euh, faut il se, faut qu'ils se rendent. » Et le, le Savage... Ça, vous voyez, vous voyez sur la table, là, il met sa montre, puis il dit Vous avez une heure pour vous, vous décider. Frontenac, il dit Non, je n'ai pas besoin d'attendre une heure. Je vous réponds tout de suite. Hein? Je vous réponds ceci. Il dit euh, Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil. Qu'il apprenne que ce n'est pas de la sorte qu'on envoie sommer un homme comme moi. Qu'il fasse de son mieux, qu'il pourra, de son côté, comme je ferai du mien. Vous voyez, il dit Non, 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 je ne suis pas pour m'incliner. Et, euh, et donc, c'est là que, d'abord, le, les bombardements euh, reprennent, et puis les, on tente de débarquer à Livy, on tente de débarquer à Beauport, aussi du côté de la Canardière, et heureusement, les miliciens, les colons euh, et les soldats réussissent à repousser ça. Mais un allié imprévu, mais le lien imprévu, c'est le froid. Imaginez-vous, nous sommes au mois d'octobre. Bien, en mois d'octobre 1690, il n'y a, a pas d'été des Indiens. Il y a l'hiver des Inuits. C'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout. Au point que là, c'est un phénomène qu'on voit rarement. Eh bien, là, il y a déjà de la glace qui se forme, qui descend à partir des rivières et, et des morceaux de glace. Et là, Phipps et son état-major, il voit ça. Et, et, « L'hiver va arriver, on, on, on va être prisonniers des glaces, et là, on va devenir vraiment des cibles de choix pour les Français. » Alors là, après six jours, là, il dit « Non, 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 on ne reste pas ici, on s'en va. » Et c'est ce qui explique pourquoi euh, il, il, il s'en va. Euh, le bilan est assez lourd pour les Anglais. Ben, 150 sur 2300, c'est lourd, c'est relatif. Mais pour les Français, regardez, seulement neuf morts... Dans cette, cette situation-là. Mais pour les Anglais, les Bostonnais, c'est catastrophique parce que sur le chemin du retour, imaginez-vous, il y a six de leurs navires avec beaucoup de gens dans chaque navire qui font naufrage, corps et biens. Alors, et en plus, avec des dettes énormes qu'ils ont, donc, ils ont, ils ont été échaudés, là. Ils ont été échaudés. Donc, mais à Paris, on est en jubile, et puis le roi, euh, donc, nomme, la, fait frapper cette médaille-là, hein, la médaille québéca liberata. Et vous, vous imaginez que la cote de popularité de, de Frontenac vient de, de, de grimper euh, au plafond. Hein. Tant mieux pour Frontenac, tant mieux pour la Nouvelle-France. Et j'ai mis aussi la photo de l'Église, qu'on appelle aujourd'hui l'Église Notre-Dame de des Victoires. Cette église-là était en construction sur la place royale au moment de l'attaque des, des Bostonnais. Et elle devait s'appeler l'Église de l'Enfant Jésus. Pourquoi ça s'appelle l'Église Notre-Dame? C'est que les gens qui ont, qui ont prié, là ils ont dit les glaces, là, ça, ça nous a aidés, ça a fait partie des Anglais, et c'est pour ça que. Ils ont décidé de, nommer de la nommer Notre-Dame au début de la de la Victoire. Puis en 1711, une, euh, une autre attaque qui a, été, qui a été dispersée près de cette île, hein, sur l'île aux œufs, eh bien, euh, c'est là qu'on a pris Notre-Dame des Victoires. Alors, bon, vous m'en voudriez, certains m'en voudraient dans la salle de dire bien oui, mais ben là, vous parlez de, de Frontenac sans parler de Tartuffe. Vous avez manqué votre coup, M. Barrett. Donc, j'en parle un peu. J'en parle un peu. Pourquoi? Parce que Frontenac, c'est aussi un homme de lettres, un homme cultivé. Hein? Et puis, euh, il aime le théâtre, puis aussi, il aime provoquer. Surtout s'il peut provoquer l'évêque, ça, ça fait encore, ça lui fait plaisir. Donc, euh, à l'époque du carnaval, dans les années précédentes, il avait toujours monté une pièce de théâtre. C'était des, des, euh, des tragédies de Corneille, de, de Racine. Je euh, n'avais jamais fait de vague. Pour le carnaval de 1694, là, il monte une autre pièce moins drôle pour l'évêque, Tartuffe de Molière, qui est une parodie euh, assez méchante là, contre les religieux et puis qui, qui ont des vies contraires à ce qu'ils à, à qu font et à ce qu'ils disent. Et l'acteur en plus, l'acteur qui doit jouer ça, c'est un, c'est un, un lieutenant militaire très anti-clérical euh, qui en plus loge au château, au château et donc il, il loge avec avec Frontenac. Vous Voyez la proximité des deux. Hein? Ben ça, là, euh, les gens autour, de, 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 le clergé. Euh, Trouvent que la situation n'est pas drôle du tout, puis ils ne sont pas intéressés à voir cette pièce-là. Là. Et euh, donc, euh, le 16 janvier, l'évêque, Monseigneur Savalier, décide de prendre les devants puis dire on va arrêter ça. Un euh, mandement qui interdit aux fidèles catholiques d'aller voir cette pièce-là au château, qui devrait se faire ici. Et puis, euh, en plus, deuxième, c'est de dire là, cet acteur-là, -là, c'est un blasphémateur. Eh bien, on, on arrête de lui. De lui euh, il y a, a plus le droit a, au sacrement. Bien, il est un peu blasphémateur parce que, voyez-vous, c'est le genre de gars là, qui était faire ses besoins là, sur le perron de l'Église. Vous voyez que ne euh, faisait pas juste être blasphémateur de, de parole, mais en acte également. Donc, euh, mais là, Frontenac est, est coincé. Ici, c'est un petit drame qui se passe dans la ville en même temps pour, contre la pièce, Pièces, etc. Il y a un règlement qui se trouve, en fin de compte. Et bien, c'est le front qui dit Bon, OK, 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 je vais. Je ferai pas. Je, on n'en donnera pas de représentation. Mais, vous savez, euh, ça coûte cher, ça. Et puis, eh bien, il réussit à soutirer 100 pistoles de, de l'évêque. L'évêque dit Bien, écoute, si vous. Euh, je, je vais payer, là. Je vais vous payer quelque chose, là. 100 pistoles, là, c'est mille livres. L'évêque, il ne voulait tellement pas que cette pièce-là soit jouée. Il a pris dans sa poche mille livres, puis il a donnés à Frontenac. Frontenac a dit, « Bon, très bien, on va, on va faire un petit, un petit party avec ça, n'est-ce hein, pas? <laughs> » Voilà. L'histoire se continue, mais je n'ai pas le temps de vous pouvoir l'évoquer en entier. On fait un bond de deux ans plus tard, en juillet 1796. Là, les, ce que les gens de Nipissing craignaient, là, les chefs dont j'ai parlé tantôt, là, et les Hurons, ben là, il y a une jonction entre deux, deux groupes ennemis qui étaient les Outaouais et les Iroquois. Et là, ils viennent de s'entendre, ils font la paix entre eux, et puis ils décident de, 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 de mettre toutes leurs forces contre les Français et les alliés euh, des, des Français. La situation devient… Euh, donc, on peut anticiper que le commerce des fourrures va, va être très très en danger euh, et que la colonie elle-même pourrait l'être. Donc, c'est dans ce contexte-là que, la première fois dans sa vie, donc Frontenac décide de, de faire une grosse opération contre le village le plus proche qui, qui est en, en face de Cataraqui à peu près, c'est les Onontagues. C'est ça qui est ciblé. Les, donc, 2150 hommes mobilisés, vous imaginez toute la logistique, etc. Eh bien, Champlain ne se contente pas de rester ici, puis il dit bon, « Allez, allez, allez faire la guerre là-bas ». Non, non. Il y a, il a 74 ans, le monsieur, 74 ans, et puis il se fait porter, et puis il suit, puis il est dans l'attaque il, il contre les Iroquois. Il fallait le faire hein, à cet âge-là. Et, et là, bien, les sont, ont, ont, leur, euh, ont leur espion aussi. Puis là, ils, ils voient venir ça. Donc, ils décident d'évacuer complètement euh, leur village. Et les troupes arrivent dans des villages où il n'y a plus personne. Et, euh, et donc, il leur reste à brûler les quelques cabanes qui n'ont pas été encore brûlées par les Ontaguais eux-mêmes. Et puis à brûler les récoltes pour leur rendre la vie difficile pour l'hiver qui vient. Cette excursion-là n'a a, a pas, pas coûté de vie aux Français, à peu près pas, mais elle démontre là, que, que là, Frontenac cesse d'être bienveillant avec les Iroquois, que là, il veut utiliser la force contre la force. Et ça change, c'est un tournant, c'est un tournant qui va mettre fin aux agressions des Iroquois et des Outaouais qui auraient pu se présenter. Euh, il fait la guerre donc aux Iroquois, il fait la guerre aussi aux Anglais. À la même période. En 1696, il demande à D'Iberville d'aller déloger tous les Anglais de Terre-Neuve. Ben, c'est ce qui est fait. En quatre mois, euh, 36 établissements anglais sont éliminés à Terre-Neuve. L'année suivante, il demande à D'Iberville d'aller chasser les Anglais de l'abbaye du Thon, qui se sont réinstallés. Eh bien, c'est à ce moment-là, le 5 septembre 1697, que Duberville connaît un effet de, 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 euh, de. une victoire incroyable. Il y a un seul bateau, hein, le, le Pélican, 44 canons, et il réussit à mettre en déroute, à détruire trois vaisseaux anglais qui, eux, ont 114 canons. Euh, il est satisfait. Hein. À l'automne 1697, euh, les principaux objectifs stratégiques de, de Frontenac sont atteints vis-à-vis l'Iroquoisie, vis-à-vis la baie du -Tion. Vis-à-vis -vis des Anglais à Terre-Neuve. Et puis, c'est à ce moment-là que se produit la paix entre la France et l'Angleterre avec le traité de Rizoué. Ce qui fait que à ce moment-là, les Anglais, les colonies anglaises, peuvent plus inciter les Iroquois à venir couper des têtes et des scalpes en Nouvelle-France. C'est la paix momentanée. C'est des conditions qui sont maintenant, à ce moment-là, à, propices pour qu'on signe une grande paix entre les Iroquois et les alliés français. Et, et, et les Français aussi. Louis XIV est très content de la tournure des événements et puis il veut exprimer sa, sa satisfaction à Frontenac et c'est pour ça qu'il lui remet la Croix de Saint-Louis. Donc il lui remet, il la, lui la donc c'est un ordre royal et militaire qui a été fondé euh, quatre ans plus tôt. Alors vous imaginez que Frontenac, là, à l'automne 1697, il est très, très, très content de lui. Euh, et puis surtout la reconnaissance royale. Il est content, mais sa santé décline. Il est vieux. Hein? Et puis euh, il est un asthmatique euh, chronique très grave. Il peut même plus se coucher euh, parce qu'il est tout frais. Alors euh, le 22 novembre, il a s'accélère sa maladie et donc il est il fait venir des notaires pour faire son testament. Et puis euh, donc. Il, je vous donne quelques éléments de son testament. Là. 1500 livres aux récollets. Les récollets et Frontenac, c'est les deux doigts de la main aussi. Et lui, il se sent comme euh, père, euh, père spirituel des récollets en, en Nouvelle-France. Il demande d'être enterré dans l'église des, des récollets. Euh, il donne sa garde-robe et toute sa vaisselle d'argent à son valet. Imaginez, c'est une belle, une belle récompense pour le valet. Et euh, à la comtesse, donc à sa femme à, à Versailles, il lui donne tout le reste de ses biens. Après six jours d'agonie, eh bien, il meurt euh, le 28 novembre 1798. Je vous en garde contre cette image qui circule sur Internet, c'est un. Fake news. Fake news. Hein? Cette image-là, elle a été publiée par Benjamin Sulte, croyant qu'un euh, expert lui avait vendu cette gravure-là, pensant et disant, attestant que c'était le portrait mortuaire de Frontenac, C'est si faux. C'est plutôt le portrait mortuaire d'un théologien suisse, hein, mort la même année, cependant. Donc, euh, rayez ça de, de, de votre collection d'images, c'est une fausse image. Euh, donc, c'est la première fois qu'ici on a un gouverneur qui meurt en fonction. Bien, il y avait Champlain, mais bon, ben, sous le régime royal, c'est la première fois. Alors, pendant trois jours, en signe de deuil, eh bien, on fait retentir le colon à toutes les demi-heures. Ça fait pas mal de coups de canon dans, pendant trois jours. Euh, et les funérailles ont lieu presque vingt jours plus tard, après son décès, le 19 décembre. Et puis, on part d'ici. Ici, c'est le Saint-Louis. Et puis, l'église euh, des Récollets, c'est l'autre côté de, de la place, là où se trouve euh, l'église anglicane. Alors, une haie de soldats euh, le, le, le lui, rend, lui rend hommage. Et puis, on a, euh, lors du, des funérailles, eh bien, il y, a, il y a le supérieur des récollets qui euh, repasse la vie de Frontenac euh, avec moult détails et moult éloges. 22 pages. 22 pages, disons que ça a dû être long à, à entendre aussi pour les, pour les fidèles. Sa euh, dépouille est mise dans un cercueil de plomb et puis naît euh, ce cercueil de plomb-là. et euh, va, va, va être beaucoup abîmé en 16, 1796. Euh, parce que et, et là, c'est là qu'on décide de, de prendre les, les restes. Oui, appelons ça comme ça, les restes de, de Frontenac et aussi de deux gouverneurs qui sont là. Et puis de déplacer, parce que là, il y a, actuellement, à ce moment-là, ils sont dans une église protestante. Alors, on les déplace dans l'église catholique, et c'est là qu'ils se trouvent encore aujourd'hui. Alors, euh, je, je parle de sa dépouille. « Mais je ne peux pas m'empêcher de vous parler de son cœur. » Parce que quelqu'un m'a dit, quelqu « Ah, tu vas faire une conférence sur... Tu vas sûrement parler de son cœur, hein ?» j'ai dit, « Oui, je vais parler de son cœur. »« Alors, je vous parle brièvement de son cœur. » Eh bien, il y, y a un mythe sur, sur son cœur. Le mythe-là a été inventé par un romancier historien, Marmette. Marmette, c'est le gendre de François-Xavier Garnot. Et, euh, et ben lui, il a, il a un succès populaire énorme, euh, c'est un gros vendeur, ses livres sont d'un gros vendeur et ils sont même réédités plusieurs fois après le décès de Marmette. Et dans, dans un de ses romans, le roman de François Bienville, qui est un, <coughs> la, la vie romancée d'un d'Iberville, ben il affirme que le cœur a été transporté, le cœur a été présenté à sa veuve et la veuve, il a, 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 a le refusé en disant Je ne veux pas d'un cœur mort qui, de son vivant, ne m'a pas appartenu. C'est un peu dur. C'est un peu dur hein, à prendre. Là. Euh, là, tu dis Il sait, il hein, il sait pas du tout. Eh bien, c'est vexant pour Frontenac, mais c'est vexant pour sa veuve aussi. mais je veux, ce matin, vous apporter la vérité. La vérité là-dessus. Dans son testament du 22 novembre, Frontenac a spécifié ceci, que son cœur soit séparé de son corps et mis dans une boîte de plomb ou d'argent, et que par la suite, il soit transporté à Paris pour être déposé dans la chapelle des Montmort. Les Montmort, c'est son beau-frère. Et dans cette chapelle-là reposent déjà deux personnes des Buades. Hein? Sa sœur, sa sœur préférée, euh, Marie, qui elle, est l'épouse de, de Montmort. Montmort, c'est un, quelqu'un très riche. Euh, littéraire, il est membre de l'Académie française. Euh, et, et puis aussi, l'oncle de, 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 de Frontenac et là aussi, c'est un ancien abbé d'un moine, de, de, un, un de, de l'abbaye. Alors, vous vous souvenez qu'en 722, son père, quand il est mort sur le champ de le siège de Saint-Antonin, eh il a demandé que son cœur soit déposé dans l'Église. Frontenac demande la même chose mais dans l'église où c'est déjà sa soeur et un de ses oncles et son beau-frère. C'est une église que vous voyez ici, là, notre dame des champs, là, et l'intérieur et l'extérieur. Alors, euh, pourquoi vous pensez que les récollets auraient offert encore le cœur à la comtesse plutôt que d'aller le, le faire déposer à, dans cette chapelle à l'intérieur de cette église-là? Ça ne tient pas la route. C'est bon, le roman est bon, mais ce n'est pas vérité historique. Non. Et d'autant plus que dans la biographie de l'académicien Montmartre, on, on, on liste la série des personnalités qui ont été enterrées dans la même chapelle. Et puis, vous avez celle du cœur de Frontenac. Alors, encore là, si des gens vous parlent du, du, de, la, de la proclamation de la, de la comtesse, dites-leur que ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, on est donc… Euh, j'achève… Euh, euh, une image pour expliquer un peu l'influence de Fontenac. Tout ce qui est en bleu. On peut dire que ce n'est pas tout lui qui l'a fait, là, mais lui a été à l'origine de l'expansion considérable de la Nouvelle-France dans l'Amérique. Hein? Euh, et c'est majeur. Euh, donc, euh, en gros, euh, il a fait 19 ans de règne. C'est le règne le plus long hein, de. de après Vaudreuil et Beauharnois. Beau C'était un acteur clé de l'Amérique française, de l'organisation de l'Amérique française. En 1690, il a humilié la Nouvelle-Angleterre. Ça a pris bien des, des, des décennies avant qu'il qu essaie d'une nouvelle attaque. Euh, son opération par rapport en, en, en Europe là, a pavé la voie à la paix de, de, de la Grande Paix de Montréal euh, par la C'est un impulsif, c'est vrai, c'est un colérique. Euh, et, et il a multiplié les, les conflits inutiles avec les gens de son entourage, avec les autres euh, gestionnaires de la colonie. C'est un, un audacieux, vous avez vu par rapport à, à que ce soit de ne pas respecter les instructions de Louis XIV, de ne pas respecter les instructions de Colbert, euh, faire face à Phipps. Tony euh, <coughs> front a même essayé de, de tasser dans le coin euh, l'intendant. C'est quelqu'un qui est combatif, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, je pense aussi, quand on regarde un peu sa vie, on comprend pourquoi Colbert et Louis XIV ont, ont, ont reconnu que ses qualités dépassaient ses, ses défauts. Et c'est pour ça qu'ils l'ont ramené ici, même vieux, à deux mandats pour diriger la, la Nouvelle-France. Et aussi, Louis XIV qui lui remet la, la, la Croix de Saint-Louis. Au Québec, on se souvient lui, on se souvient, on a parlé en, en introduction tout à l'heure. Mais il y a 23 lieux de mémoire qui euh, qui euh, rappellent sa mémoire justement. Et je vous rappelle que le pont Pierre Laporte devait s'appeler le pont Frontenac. Et c'est à cause de, donc de la mort soudaine dans la crise d'octobre du ministre Pierre Laporte. Eh qu'on a changé à la dernière minute le nom pour Pierre Laporte. Mais à l'origine, ça devait être le pont Pierre Laporte. Tout ça pour vous dire, je m'excuse d'avoir de, de, pas traité tout, mais essayez de vous donner un peu dans les grandes lignes euh, des, un aperçu de ce grand personnage. Merci de votre attention et si on a du temps, je suis disponible. Merci beaucoup, M. Roger Barrette, pour cet exposé, ma foi, foisonnant. <laughs> C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Frontenac. On vient de parler de sa mort et euh, on vous invite à rester avec nous tout de suite. Euh, on a une petite cérémonie commémorative et j'invite euh, au micro nul autre que, on l'aurait suscité des morts, le père Olivier Goyer, le récollet qui a prononcé l'oraison de Frontenac euh, en 1698. Donc, il vient nous. Euh, nous livrer un petit extrait de cette oraison et par la suite, nous déposerons symboliquement une couronne de fleurs à l'avant euh, de la scène. On aurait pu faire ça dehors, on aurait pu faire ça à la crypte aussi. Je pense que la météo nous incite à rester bien sagement à l'intérieur. Donc, Père Goyer, je vous invite à vous joindre à nous. Oraison funèbre du très haut et très puissant Seigneur Louis de Buade, comte de Frontenac et de Paluau, maréchal de camp de l'armée du roi, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, gouverneur et lieutenant général pour le roi dans toute l'Amérique septentrionale, prononcé par le père Olivier Goyer en l'église des récollets de Québec, lieu de sa sépulture le 19 décembre 1698. Le comte de Frontenac s'est fait aimer par sa bonté, telle a été sa vie politique, il s'est fait estimer par sa valeur, telle a été sa vie militaire. On le reconnaît déjà à ses traits. Son portrait, cependant, n'est encore qu'ébauché. Pour y mettre la dernière main, unissons le serviteur de Dieu avec l'homme du roi et le chrétien avec le guerrier. C'est ce que je vais faire dans ce discours. Le pouvoir d'un gouverneur de province tient du souverain. Il est comme un rayon de la royauté. Un gouverneur semblable au mauvais serviteur de l'Évangile peut se prévaloir de l'éloignement du maître commun pour traiter avec dureté ceux qui lui sont soumis. Le gouverneur dont je fais l'éloge ne profita jamais de ces conjonctures pour faire sentir aux faibles le poids de son autorité. Je dirais, messieurs, qu'un si excellent homme Devrait avoir gagné tous les cœurs si un homme qui doit répondre à tout le monde pouvait plaire à tout le monde. Qui l'aurait cru? Certains mécontents conspirèrent en secret. Ils forment de sourdes intrigues. Ils préviennent le plus éclairé et le plus juste roi du monde et l'obligent de rappeler à la cour M. de Frontenac, qui lui était si utile en notre pays. La bienséance et l'habitude, et plus encore les devoirs de sa naissance et de sa condition, retiennent ce dernier à la cour. Mais il la regarde comme le lieu de son exil, quand il pense qu'il est où il ne devrait pas être. La prévention avait mis une espèce de barrière entre le roi et le sujet qu'il fut longtemps impossible de franchir. Sept ans se passent, après lesquels M. de Frontenac parle efficacement pour sa justification, et le roi, dont les paroles sont autant d'oracles, lui répond Je vous renvoie en Canada, où je compte que vous me servirez aussi bien que vous avez fait ci-devant. Si je ne vous en demande pas davantage. Quelle joie quand on aperçut ce navire, ou, pour mieux dire, ce char de triomphe flottant qui ramenait le désiré des nations, les illuminations dissipèrent les ténèbres de la nuit, tandis que les acclamations troublèrent son silence et sa tranquillité. Les rochers qui bordent ce vaste fleuve en retentirent. Ce grand homme n'a jamais fait de pauvres. Mais il en a nourri plusieurs, et la matière de ses aumônes fut ce qu'il retrancha de sa dépense. D'une main, il essuyait les larmes des affligés, et de l'autre, il mettait un voile sur leurs afflictions. Je touche ici un endroit, messieurs, qui mérite d'autant plus votre attention qu'il regarde ce pays, plus en particulier. Comme le commerce de l'eau-de-vie au peuple du Nouveau Monde est opposé au christianisme, le roi a défendu la traite de ses boissons avec eux. Le comte de Frontenac, qui la regardait comme nécessaire pour rendre le trafic plus grand et plus abondant, avait paru la favoriser. Mais il a reconnu que le transport de cette liqueur, a causé de très grands maux à cette Église naissante et à la colonie, et fâché d'avoir en cela commis son autorité à des gens qui en ont abusé, a professé que si Dieu ne le retirait pas de ce monde, il agirait avec plus de circonspection. C'est ainsi, messieurs, que l'on revient de ses prétentions et qu'on en revient sans honte lorsque la droiture d'esprit et la docilité de cœur sont appuyés sur un fond de religion. Le guerrier peut se sanctifier dans son état en y gardant de la retenue et de la modération. C'est ainsi que l'on sanctifie les guerres, selon le langage d'un prophète. C'est ainsi qu'en étant bon au peuple, on ne laisse pas d'être vaillant dans la guerre. Voici le deuxième caractère de notre illustre défunt. Une flotte composée d'environ 34 voiles sortis des ports de la Nouvelle-Angleterre vient mouiller à notre rade. Les troupes n'attendent que le signal du débarquement pour envahir la ville qu'on leur a dit être sans défense, sans munitions, sans garnison. Et même sans gouverneur. Ô oh Dieu, abandonnerez-vous votre héritage et livrerez-vous dans la fureur des loups les brebis de votre troupeau et les âmes qui confessent votre nom? Ne craignons point, chrétiens, celui qui veille sur Israël gardera cette ville. Quelle est héroïque la réponse qu'il fait à cet envoyé qui le somme de se rendre et une montre à la main lui marque le temps qu'on lui donne à délibérer. Allez dire à votre commandant que la réponse que j'ai à lui faire est à la bouche de mes canons et quand je voudrais me rendre, tous ces braves officiers que vous voyez n'y consentiraient jamais. Et il parle. Et peu de temps après, on entend tonner de toutes parts ces foudres de bronze qui d'un seul coup lancent le feu, le fer et la mort. Ce gouverneur que les ennemis croyaient absent se trouve partout où son devoir l'appelle. Cette ville que l'on avait publiée être sans munitions se trouve bordée d'artillerie qui leur envoie l'effroi et la mort pour les recevoir. Ces troupes, que la vigilance du gouverneur distribue à propos, forment comme un mur d'airain à l'épreuve de toutes les forces ennemies. Déjà, leur amiral percé à l'eau laisse flotter son pavillon au gré des vagues. Ici, les troupes débarquées hors d'état d'attaquer, incapables même de résister, abandonnent leur artillerie pour précipiter leur fuite et se rembarquent en désordre. Ceux qui disposaient déjà de la ville et de tout le pays, ceux qui en partageaient déjà les dépouilles, laissaient partout les leurs parmi les débris de leurs vaisseaux échoués. Enfin, le léopard anglais, qui regardait Québec comme une proie assurée, se retire, enragé d'avoir manqué son coup. Puissance alliée pour conspirer notre perte, reconnaissez que vous n'êtes pas plus heureuse sous cet hémisphère que sous l'autre. Le vaillant, le sage et l'intrépris de Frontenac fait triompher les armées de son roi dans ce nouveau monde. Vous n'ignorez pas, toutefois, messieurs, qu'il n'appartient qu'au Seigneur de juger si nos œuvres sont aussi parfaites à ses yeux qu'elles le paraissent aux nôtres. La fin que l'Église se propose quand elle interrompt les divins mystères pour donner lieu à l'éloge d'un mort n'est pas d'exciter notre admiration par un récit étudié d'actions héroïques, mais de nous inspirer des sentiments de compassion, de piété, de reconnaissance et de charité. Enfin, le souvenir de tout ce qu'a fait ce bon et ce vaillant gouverneur pour l'affermissement et le progrès de cette colonie doit nous piquer de reconnaissance et animer notre charité pour crier à Dieu, Seigneur, sauvez celui qui sauvait Israël. Nous vous en conjurons par la majesté de ses temples dont il a écarté le fer et le feu, par la sainteté de ses autels qu'il a garantis de la fureur des hérétiques, et par tout ce qu'il y a de saint dans vos mystères qu'il a préservé de la profanation. Accordez, Seigneur, le repos éternel à celui sous la conduite duquel nous avons goûté les douceurs d'une sécurité et d'une tranquillité constante. Qu'il vive éternellement avec vous, cet homme qui vivra toujours dans notre esprit, par le souvenir de sa bonté dans le gouvernement et de sa valeur dans la guerre. Merci au père Goyer, ou devrais-je dire au comédien de l'entreprise, la, la firme La Roche Francoeur. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Pour la suite des choses, nous allons procéder au dépôt de la couronne. Nous allons le faire ici à l'avant sur une simple chaise. Et par la suite, je vous inviterai à, à, vous, à rester des nôtres si vous le désirez. Pour la suite du programme, nous aurons euh, évidemment l'heure du dîner un, un certain nombre de places qui est disponible. C'était sur réservation c'est encore possible de le faire. Et sinon, on se retrouve ici même pour l'après-midi, donc à partir de 2 heures pour la prochaine conférence. Merci à tout le monde de votre attention.